plutôt calme ici. Des infos ? D'après les relevés, tu es tout près d'une épave de la Légion. On pourrait connaître leur position si on piratait son noyau de données. On occupe. Alerte. Teigne piquante fixée. Attaque ou jette la teigne piquante pour la retirer. Appareil de la Légion identifié. Initiez la procédure de piratage. Attention, procédure fortement susceptible d'attirer des renforts de la Légion. Renfort de la Légion en approche. Alerte. Renfort de la Légion en approche. Niveau de l'arme augmenté. Sur le site de recherche. Prêt à traquer Wolf ? Paré à toute éventualité ! J'espère qu'il n'a pas causé trop de problèmes. En cas contraire, on le fera payer. Protéger les silos. Merci pour votre aide. À ta place, j'inspecterai les lieux avant de partir. Il y a de grandes chances que cet endroit renferme des choses utiles. Se sont développés et que les gens sont devenus riches. Tout a augmenté. Le moindre lit coûtait la peau des fesses dans la plupart des villes. Hey ! Où sont tous les autres ?
On va devoir fouiller cet endroit nous-mêmes. Et comment? Tu ne vois rien du tout. Il nous faudrait de la lumière. On doit juste trouver un générateur. Super, j'ai allumé un truc. On dirait un appareil de scanographie 3D. Il a l'air très sophistiqué. Je parie que leurs ingénieurs y ont consacré beaucoup de temps. Donc j'aurais tout intérêt à le démolir. Quoi? Non, surtout pas. Allez, assez traîné. On ne trouvera pas ce que cherchait Wolf tant qu'on n'aura pas allumé la lumière. Déjà un petit peu mieux. Je comprends pas. Qu'est-ce que Wolf pouvait chercher dans ce dépotoir? Il a laissé tous ses gadgets de pointe, donc c'est pas une question d'argent. Il voulait peut-être les résultats de recherche. Tout dépend de ce que les chercheurs étudiaient ici. On devrait y voir plus clair si on trouve encore un générateur. Ah! Mes yeux! Je vois! T'es sûr que tu devrais piloter? Regardez! Le sol est complètement retourné! Ces chercheurs ont dû faire une grande découverte! Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Aucune idée. Mais si Wolf a ordonné une attaque, c'est pas bon signe. Tu crois qu'ils ont laissé quelque chose sous ces machins en cristal? Je connais un moyen rapide de le savoir. Nova susceptible d'être plus facilement accessible avec une arme de glace. Toujours rien. Ok. Encore un. Toujours rien. Ok. Encore un. Ah, encore un truc. Je trouve des tas de trucs partout. Bien. Essaie maintenant de le mettre sur la machine de scanographie que tu as trouvée. Ça devrait marcher. Je me connecte à la base de données de l'expédition. Oh, voilà ce qu'ils étudiaient. Un robot de la Légion. Ou une partie, du moins. Ça date d'avant la ruée vers l'Électrum. Pas mal. Une partie. On parie que Wolf a pris le reste. Une grosse arme mécanique brutale. Ça lui ressemble beaucoup, ouais. C'était quoi, ça? Fox, je capte une signature thermique dans le secteur. C'est peut-être un survivant. Bien reçu, je m'en occupe. Un feu! Minute! Il y a quelque chose sous les gravats. Comme vaisseau. Et c'est des os, ça? On dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur. Shade, tu connais ce type d'unité? C'est pas comme si j'avais mieux à faire. Oh que oui. Tu vois ces cornes de ticker? Ça veut dire que ça appartient à Cash. Hors la loi, mais pas du genre sympa comme moi. Il est cupide, arriviste et plus crétin qu'un Sasquid. Toujours à agir pour le compte de quelqu'un. C'est le genre de sbire que pourrait embaucher Wolf. Bon, envoie-moi les coordonnées. On va devoir rendre visite à ce cache. Vous avez une mission pour moi? Salut les jeunes. D'après le rapport, plusieurs bonbonnes de données ont été balancées dans l'espace lors de l'attaque du labo de Grant.
Elles se sont écrasées sur la planète. Voilà les coordonnées. C'est pas que des données. C'est une vie de travail. Ce sont ses rêves. Ce sont ses recherches sur la Nova. Et un risque sécuritaire. Il faut qu'on récupère ces bonbonnes. Aucun disque dur n'a été oublié ? Les bonbonnes de données sont équipées de transpondeurs. Ce sera vachement plus facile de les trouver. Si vous avez des problèmes sur le terrain, passez donc à mon atelier. On aura bien du matériel pour vous. Ces données, les tiges de cette flèche plongent dans le noyau liquide d'Haven. C'est sûrement pour cela que cette planète ne tourne pas. Être ici. Merci pour tout. Je peux retourner à mes recherches. Rappel, analyseur utile pour scanner les créatures locales. Données collectées et échangées contre des récompenses dans les ateliers. Ça, c'est une ruche de Stoneby. À ce qui paraît, le miel à l'intérieur est trop bon. J'adorerais en goûter. On nous tire dessus ! Mais enfin, arrêtez de m'attaquer ! Un grand merci. Sans votre aide, je me serais retrouvé à engraisser la faune. Merci pour tout. Je peux retourner à mes recherches. Oh, bonjour. Qui êtes-vous ? Salut, je m'appelle Falco. Je cherche l'ami d'un ami, on va dire. Vous pouvez m'aider ? Les carapaces de Skeeter Tusk sont quasi impénétrables. Si vous en scannez un nombre suffisant, elles me révéleront peut-être le secret de cette étonnante solidité. En charge ! J'ai préparé un analyseur. Récupérez-le et nous commencerons. C'est bon. L'analyseur doit être retrouvé pour terminer la mission. Bien. Suggère que cette flèche a créé un effet de serre sur Haven.
pas étonnant que la végétation soit si vigoureuse sur cette planète. Je commence à m'ennuyer, là. Quoi de beau? Les étranges constructions des gardiens nous donneront peut-être un avantage. Il faut qu'on en trouve une. Trop facile. Analyse. Nova susceptible d'être plus facilement accessible avec une arme de feu. Piquante fixée. Attaque ou jette la teigne piquante pour la retirer. Ah ! Ça marche pas. Essaye de changer d'arme. Toutes mes connaissances au sujet des flèches des gardiens m'indiquent que c'est la solution. Système racinaire avancé en dessous de cette flèche. Ces racines contiennent des traces d'électrum. La flèche en a-t-elle injecté dans le sol? J'ai ici! Pas la peine de crier!